Bonjour à tous et à toutes, ici OxyDoRe. Aujourd'hui on se retrouve donc sur Survival et j'ai pas mon skin. Foutu Minecraft 1.3.2, j'ai pas mon skin, j'ai un skin de Mexicain et badadi et badata. Bref, aujourd'hui on va faire quelque chose qui m'avait été proposé. Donc vous pouvez voir que je suis toujours niveau 31 d'ailleurs. Tant que j'y pense... Nous allons nous faire... que je regarde... 50... Je réfléchis à ce que je vais me faire. On va se commencer notre armure enchantée en diamant. Oui, pour aller battre l'Ender Dragon. Donc, je vais pas la mettre. Hein, c'est juste que je la crée car ça sera spécialement pour l'Ender Dragon. Je sais pas si ça servira à quelque chose. Ou limite pour après, ça servira toujours pour plus tard. Donc enchantement, ils sont là. Ma pièce d'enchantement est là. Niveau 30. Fire protection 4. Donc protection de feu 4. Attendez que je regarde les sons, ça va, ils sont pas forts. Je vais aller la mettre côté armure. Hop. Voilà. Ça me perturbe d'avoir une main comme ça. Donc ce que je disais, donc on va se faire une ferme à cacao. Oui, à cacao, je sais plus comment on dit. En plus j'ai assez de trucs de jungle, on va se prendre du bois. On a besoin de redstone. Pas besoin des masses de redstone non plus. On a besoin d'un repeater. Des pistons, je vais prendre tous les pistons car je sais pas, on a besoin de ça, mais j'en ai pas assez, donc il faudrait que j'aille en récolter. Un seul repeater. Pas besoin de redstone torche, on aura juste besoin, je sais plus comment on fait, de la lumière de redstone, je crois que c'était avec ça là, des lampes de redstone, je sais plus trop. Je suis en train de me demander, c'était soit ça, non, ou soit ça, je sais plus du tout en fait. Bref, on la fera plus tard alors ça. J'ai besoin aussi d'eau, donc mes seaux d'eau je crois qu'ils sont là, hop. J'en aurais besoin, on va en prendre deux. Notre machin, monsieur Gérard est toujours là. Enfin, Robert, on va l'appeler Robert et il gardera Robert comme nom. Ouais, les fermes, vous pouvez voir que toutes mes fermes, je les fais à l'extérieur. D'ailleurs, cette ferme-là, je sais pas trop où est-ce que je vais la mettre. Je crois que je vais la mettre par là, parce que tout près du bâtiment ici, car il y a beaucoup de plats là ici. Je vais pas trop éloigner non plus. Je crois que je vais d'abord casser ça en fait. Je vais utiliser ma pioche, ouais, une pioche pour casser de la terre, et je vais mettre le truc vraiment pas loin comme ça. Déjà ça fera beaucoup de lumière et ça risque moins de spawn. Voilà. Oups, j'ai cassé un truc, ça va être réparé tout de suite parce que j'aime pas quand il y a des trous comme ça. Hop, on remplace l'épée. Donc vous pouvez voir qu'il n'y a pas de mob car je me suis mis en paisible justement pour savoir construire. Ça a un problème. Bon bah c'est parti. On va mettre toutes nos... Je regarde car je dois faire un truc d'une petite grandeur quand même. Pas trop grand et pas trop petit. Ou à la limite là-bas derrière. Hop, ça ferait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça doit être bon. Ça doit être bon, de toute façon, j'ai pas besoin des masses non plus. Hop. Hop. Voilà. Oups, je suis tombé. J'ai dit glisser, chef. Donc, je regarde pour pas faire d'erreur. Regardez, là j'ai déjà fait une erreur car là je dois mettre en fait les comment ça s'appelle, les bûches là de les bois tout simplement de des forêts là. Désolé, je suis un peu à la ramasse, c'est le stress des examens ça. J'ai passé mon examen et je sais pas si je l'ai réussi, on verra bien à la rentrée. Donc dans 2 jours d'ailleurs, je pense qu'il y en a déjà d'entre vous qui sont déjà rentrés. D'ailleurs bonne rentrée à tous, tant que j'y pense, comme ça au moins c'est dit, c'est fait, c'est gentil, je suis un gentil garçon. Je crois que j'aurais dû prendre plus de bois en fait parce que j'aurais pas assez. Pom 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 pom. Pom 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 pom. Alors ici on met les. Donc. Ah là là, je perds mes mots. Aujourd'hui je sais pas ce que j'ai, je perds mes mots. Les pistons, voilà. Tout simplement. Vous allez savoir pourquoi. Ouais, je sais, mon portail est bleu parce que je suis... j'ai enlevé le truc du portail. D'ailleurs, que tant que j'y pense, parce que comme là, je suis dans un monde plus gros. Hop là, Tilly. Et donc, on va devoir, en fait, monter ici avec la redstone. Et normalement, ça devra aller. Donc, hop, voilà. Ici on repose de nouveau nos blocs. Je vais faire ça un peu plus rapidement, je viens d'avoir une petite idée. Donc voilà, ça a été un proposé donc que je fasse une ferme donc de ça, de graines de cacao. Ça peut toujours m'être utile pour faire des cookies et puis des gâteaux. Donc voilà, il y aura les graines ici posées comme ça. Voilà. Ici, il y aura un courant d'eau là. Là, donc, on va devoir monter d'un étage. Et ici, de nouveau... Ah, ça me fait chier quand ça fait ça. Voilà, de nouveau, tous les pistons qui vont se mettre ici. Donc bien évidemment il faut toujours utiliser des blocs solides pour cette construction, éviter le sable. Donc vous pouvez toujours faire du sable si vous voulez, mais alors faudra y aller en douceur. Donc ici c'est les bois. Voilà. Et juste en dessous donc... Tac, tac, tac. Aïe, je me prends des dégâts par du bois. Se prendre des dégâts par du bois. Grande nouveauté dans Minecraft. Dum, 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 dum. Hop, voilà. Comme ça, ça c'est fait. Ça c'est fait. Et on n'a plus qu'à poser. Enfin, il y a encore de la déco à faire, hein, c'est pas ça. Mais là, c'est pas le moment de déco, c'est plutôt le moment construction. Car je pense que je vais faire... En fait, bah, je sais pas en fait. Je sais pas trop en fait. Déjà là, il faut que ça soit rebouché parce que j'aime pas. Ici, attendez que je regarde. Donc ça vient ici. Juste en dessous de moi, ça donne ça. Ouais bon, si je fais ça juste en dessous de moi, ça va pas le faire. Hop, voilà, comme ça c'est fait. Oui, j'ai oublié qu'on avait besoin d'une plaque de pression. Ma redstone elle est là. Donc je vais devoir aller me faire une plaque de pression tant que j'y pense. Et je vais déjà mettre la redstone. Donc on va calculer. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que je réfléchisse pour pas faire de bêtises. On va devoir, je sais pas si ça marche. Ah si ça marche. Hop et hop. Voilà, et la plaque de pression sera ici. Ouais je sais, c'est pas caché, limite je pourrais toujours cacher ça plus tard. Bonjour Roger. Non, ça c'est une vache, c'est pas Roger. D'ailleurs j'ai tué pas mal de vaches pour... non, pas pour me faire de l'iron, pour me faire quelques steaks. Ça peut toujours être utile, même si j'en ai déjà beaucoup d'ailleurs. Maintenant, j'ai un placard à nourriture qui est là. Hop, voilà. Donc de la... Bon, on va faire une plaque de pression, on va se la faire. Ben, en brique. Donc, elle est où cette brique? Pierre lisse, elle est là. 3 pierres lisses. Je sais plus si c'est 3 ou 2 qu'il faut mettre, mais bon, c'est pas très grave, hein. Ah, c'était 2. Hop, plaque de pression. Hop, on va déjà mettre notre la plaque de pression, je vais pas tout de suite la mettre. Donc vous pouvez voir que c'est un système très très simple pour récolter donc tout ce qu'on a besoin. Je le mettrai après. Hop, d'ailleurs là, pourquoi je voulais avoir une lampe? Parce que ici au milieu, j'ai l'intention de mettre une lampe. Mais je sais déjà plus comment on la craft. Donc, 1, 2, 3, et normalement ça doit être bon. Et merde, je me suis arrêté en plein lancer. Yop. Donc vous inquiétez pas, je vais faire un truc pour que les mobs spawnent pas, il y aura de la lumière. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à poser ça là. Et normalement, si je fais ça... Voilà. Sauf que bien sûr, je vais faire un système pour que ça revienne directement à moi. Donc hop, on va mettre les plantations. Je sais que c'est pas... la déco est pas encore finie, donc merde, mais quel con! Ah, j'ai marché sur la plaque! Ah, mais quel imbécile! Ah, mais je vous jure, moi, des fois, ça va vraiment pas. Il y a des jours, ça va vraiment pas pour faire mes vidéos. Je lâche que des conneries, je dis comme ça qu'il faut que je fasse ça, alors que je fais complètement autre chose. Pas marcher sur plaque pression. Donc ici on va peut-être mettre du verre pour savoir à quel est-ce que l'eau en est, parce que sont les objets. Donc on va aller prendre du verre et on va le poser. Et normalement, si je me rappelle, le verre il est là. Non, ça c'est de la terre, mais justement de la terre ça me pourra me servir. Bon ben en attendant, vous savez quoi, hop, de la glowstone, on va toujours en prendre plusieurs. Des vitres, de l'OG, tant que j'y pense, mettre l'iron ici. Je viens de penser, je crois que c'est ça en fait le craft. Une lampe de redstone, c'est ceci. Yes, c'est ça. Donc on va pouvoir se faire une lumière qui ira quand j'actionnerai la plaque. Pas faire de bêtises, Dylan. Je pense que je devrais peut-être en dessous, où ce qu'il y a l'eau, où ce que je vais mettre de l'eau, peut-être c'est essayer de prendre de la glace pour que les objets de, oui, de la glace cette fois-ci. Ah non, tu vas pas me dire que je peux pas la récupérer. Ah si, ça, j'ai eu peur là sur le coup, j'ai cru que ça allait me se transformer en autre chose, quelque chose de dangereux, de méchant. Et hop là, non c'est pas comme ça. Je viens de remarquer que j'avais fait une erreur ici. Hop, voilà. Et on récupère le bois. Et donc ici on va faire quelques petits changements. On va essayer de faire ça en glace. Hop. Et voilà. Ça peut donner un effet assez spécial. Je vais faire ça un coup. Voilà. Ça peut donner un effet assez spécial vu de l'extérieur et de l'intérieur. Ça donne ceci. Ça donne que dalle, en gros. Donc, voilà. On va poser donc notre eau. Et hop là. Voilà. Et maintenant, quand j'actionnerai donc la plaque de pression qui est ici... toutes les graines vont venir tomber, ouh, ouh. vont tomber donc là. Et donc je vais aller chercher du bois pour continuer à faire la petite construction de là. Je vais poser mes seaux. Là je crois que j'ai des seaux. Ouais, j'ai 5 seaux, 6 seaux. Pas prendre ça. C'est, je veux du bois. Voilà, oui, vous pouvez remarquer que je suis beaucoup bois dans mes constructions. Désolé. Donc j'ai un petit peu de glowstone. Je crois que je pourrais mettre ça à l'entrée. Niveau de la plaque, faudrait voir ce que ça donne, je sais pas. Allons voir, on va voir ça tout de suite, hein, vous savez quoi. On va la récupérer. Hop, voilà. Je sais pas si ça ferait de la lumière si je la mets au niveau de la plaque de pression. Et on va mettre la plaque de pression donc juste au-dessus. Je sais pas si ça va en faire. Ah ben ça veut même pas se poser. Hop. On détruit ça. On repose ça. Et on continue à mettre donc 3. Et la lumière. 1, 2, 3, 4. Bon. J'aurais peut-être dû la mettre ici en fait. Je vais changer de place. Hop, voilà. Et on va la mettre ici à la place. Et voilà. Et en fait je l'ai replacé au même endroit. Et merde. Voilà. Voilà. On va directement le poser ici. Voilà. Donc ce n'est pas ma création. Je mettrai le lien du type qui a donc fait ceci sur la vidéo. Donc je me suis inspiré. D'ailleurs c'était assez ingénieux quand même parce que, hop, j'ai pas activé la lumière, mais quel imbécile. Je vous dis, aujourd'hui ça va vraiment pas moi. Tac tac tac, lumière incluse. Donc tada, lumière. Et vous pouvez voir que j'ai récupéré donc mes graines toutes seules. Elles sont venues toutes seules et après bon, il faut les replanter soi-même, mais bon, ça c'est pas trop grave. C'est pas gênant. Hop, voilà. Donc on a notre ferme à cacao. Donc je ferai un truc pour essayer de cacher tout ça, peut-être en dehors de la vidéo. Donc ici ça a l'air d'avoir bien poussé. On va récolter ça en passant. Donc voilà, c'est vraiment une petite ferme très simple. Petite vidéo toute simple sur une ferme. Donc vous pouvez voir que ça construit, ça se construit, ça agrandit petit à petit. Yeah. Bientôt l'Ender Dragon quand j'aurai mon nouveau PC. Dès que j'ai mon nouveau PC, je vous promets que je vais battre l'Ender Dragon. D'ailleurs j'ai les coordonnées qui sont marquées à côté de moi pour aller jusqu'au portail de l'End. J'aurais peut-être dû faire... non, ça va. Donc voilà, ça me fait combien de stacks? Quasiment 2 stacks. Et donc voilà. Ceci c'est fait. Je suis en bright, ça va. Je vais regarder 2 minutes à ma ferme à melon. Ça a bien poussé durant la construction. Vous pouvez voir que ça pousse assez vite quand même. Donc hop, je crois que j'ai déjà tout récolté. Et j'ai 41 melons. Watermelon. Désolé. Désolé parce que sinon je vais me faire attaquer par les bilingues. Wouh. Non, je dis ça pour rire. Donc on va poser nos graines. Je vais les poser avec la nourriture, les graines. Tout comme la pastèque. Donc voilà, bon, on touche déjà à la fin de la vidéo les amis, hein. Ça aura été très rapide. C'était vraiment une petite vidéo de construction car... il y avait une personne qui m'avait proposé de le faire et je dis faut que je le fasse. Comme ça c'est fait. Bon, elle est pas décorée, elle est pas pas encore décorée, les systèmes sont pas encore cachés, mais ça viendra par après tout ça. Je ferai ça en dehors de la vidéo de cacher tous les systèmes. Voilà, comme ça ça sera un peu plus beau et tout. Donc voilà. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Ça vous plaira. Je mettrai le lien du type donc qui a créé, enfin loin que sur qui je me suis inspiré pour ce système très simple et très rapide à construire et vraiment très sympathique. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et à plus tard pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus!